Vidéodac éphémère est un projet pour présenter des vidéos d'artistes contemporains, des vidéos d'artistes actuels. Et le projet, c'est de trouver un dispositif original pour montrer ces vidéos. Le public peut venir consulter et regarder sur une interface les vidéos qu'il souhaite, dans l'ordre qu'il souhaite, ou les regarder projetées sur grand écran. Alors, la vidéothèque, c'est la première collaboration entre Le Jeu de Paume et Santa Monica. Et c'est un projet qui a été proposé par deux commissaires. Et donc, cette idée de rassembler 25 artistes complètement internationaux, de tous les continents, plusieurs générations. Et il n'y a pas un thème uniquement dans cette exposition, c'est un projet collectif. Mais l'idée d'inventer le possible, qui est le titre, c'est l'idée... Les commissaires sont partis de l'idée, du constat de l'échec des grandes utopies du XXe siècle. L'idée, c'est de partir de la réalité, de plusieurs constats, plein de manières différentes de rendre compte de notre situation actuelle et la manière dont les artistes vont inventer des images. Il y a plein de formes différentes avec lesquelles les artistes peuvent nous raconter cette réalité et nous inviter à inventer un futur possible. Et on a la liste des artistes par ordre alphabétique et on peut choisir de regarder par exemple la vidéo de Daniela Ortiz et José Quiroga. Là on a une présentation des artistes. Ensuite on a le synopsis de la vidéo. On lance la vidéo, on met le grand écran, on écoute tranquillement et on regarde la vidéo qu'on veut.